Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Palworld pour la suite de nos aventures. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous nous sommes installés sur les îles tempétueuses du je sais pas quel coin de la map. Et aujourd'hui, nous allons enfin passer à une étape très importante. Nous allons construire notre base pour de bon. En tout cas, ce sera une belle base sur laquelle nous allons améliorer le camp, nous allons mettre nos pales, nous allons les faire travailler de force, les réduire en esclavagisme. Enfin, ça fallait pas le dire. Et on va s'installer et on va s'améliorer, hein, parce qu'on a beaucoup de niveaux à prendre. Et on commencera peut-être à diriger nos premiers pales et à monter dessus pour essayer d'aller plus vite sur la map. Beaucoup de choses nous attendent. Mais avant qu'on commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, je parle aussi vite que lui-même. Le but est tout simple, m'aider dans ma carrière YouTube. Je vous invite également à liker et à commenter, ça aide énormément là-dedans. Et je vous invite également, si vous avez les moyens, à prendre un VIP, c'est 4,99€ par mois. Ça vous permet d'avoir de nombreux avantages, un badge, un pseudo particulier, un grade sur le Discord, ainsi que des emojis à utiliser en live et dans les commentaires vidéo, tout ça. Si vous avez fait un de ces trucs, merci beaucoup. On peut commencer, c'est parti. Alors, regardez où nous sommes. Nous sommes ici dans les îles tempétueuses. J'ai pu remarquer que notre zone de base est définie en bleu. Donc, je crois que c'est bien ça, hein. Regardez, ce trait bleu, ça signifie que cette zone-là est notre zone où nous pouvons construire notre camp. Donc, en vrai, c'est bien. On va commencer par s'installer. Écoute, tu sais quoi ? Allez, Kativa, c'est parti, tu vas t'occuper de cette pierre, on va la dégager, je vais regarder les options, on va mettre un pal sur le camp même. Alors, voyons voir, gestionnaire de boîte à pal, améliorer le camp, voyage rapide. Déjà, combien ça coûte pour améliorer un camp? Construire, ah ouais, construire coffre en bois, déployer des pales actifs sur le camp, d'accord. Récompense de niveau de camp, nombre de pales max sur le camp 2, nombre de camps pouvant être construits 1 sur 1, ok. On va commencer, alors déjà, on va déployer des pales. Je tiens à vous dire également que j'ai fait un petit peu de hors vidéo, j'ai tourné en live, et on a capturé pas mal de pales, comme vous pouvez le voir, pour gagner de l'expérience, des pales qu'on avait déjà, et un Kativa Shiny, ça par contre c'est stylé, je sais pas du tout la différence avec le reste. Ok, ça a la compétence rayon solaire, d'accord, et ça met 150 de dégâts, et il a aussi la compétence double point, donc il est beaucoup plus fort que les autres, mais il est que niveau 3. Donc on verra ça plus tard, et on a bien sûr le Dire Wolf qu'il va falloir voir aujourd'hui. J'ai chopé aussi le Jolton Christ dans l'épisode précédent, quand on a battu le campement, en fait je ne m'étais pas rendu compte, mais on l'a tame en le libérant. Donc c'est très sympathique. Lui, il a la compétence feuille, je sais pas ce que ça représente en fait. Tâche encore disponible. Là il y a un petit paquet, apparemment il peut miner. C'est quoi avec sa tête dépresso? On va mettre dépresso sur le camp. Il va être déprimé sur le camp. C'est parti, déprime-toi sur le camp. Oh il y va, regardez. Extraction en cours. Il y va. Il va extraire, tiens donne-moi tout ça. Wow. Oh my god. Je suis déjà encombré. Hey, il y a un indigent qui est venu. Ouh. Disons que... Attends, est-ce que j'ai moyen de me faire un coffre? Parce que j'ai tellement récolté de trucs d'un coup, je suis choqué. Jeté. Est-ce que ça abandonne tout? Ok, c'est la 52. On va se faire un coffre et on va mettre tout ça dans le coffre. Donc déjà pour le coffre, il va nous falloir un petit peu de bois. Il va falloir aussi que je récupère mes objets parce qu'il y en a plusieurs que j'ai cassés. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que je peux l'utiliser? Attendez, voyons voir. Est-ce que malgré que ça soit cassé, je peux quand même l'utiliser ou pas? Non? Ah si, quand même. C'est quoi la différence alors? C'est moins efficace peut-être? Oh t'as l'autre, il pète tout. Il est parti tout casser. Ok d'accord, bon. Avec ça, je crois que malheureusement, les pales sans lit seront de mauvaise humeur. Ok, il est de mauvaise humeur le pauvre. T'inquiète, je vais lui faire un pieu. On va tout améliorer aujourd'hui, hein. On va se faire un coffre. Matériel insuffisant. Ah, il nous manque une pierre. C'est bon là, il t'en manque plus. Très bien. On va placer un coffre. Là, ici, voilà. Maintenir, construire. Oh regardez, il arrive. Il aura pas le temps je pense, hein. C'est con, on va le laisser faire. On va le laisser faire, on va récupérer le reste des trucs qui sont tombés. Comme ça on gagne un petit peu de temps. Oh regardez, clink 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 clink. C'est parti mon gars. Voilà, il est content, c'est la première fois qu'on le voit sourire, il est tout mignon. Alors on va mettre des items dedans. On va déplacer ça, voilà. On a des baies et tout. Je crois que ça permet aux pales d'apprendre des trucs apparemment. On a des munitions aussi. Ok, je stocke tout ça, ça me permet d'avoir beaucoup plus de poids sur mon personnage. Et c'est pas trop mal. J'ai déjà rempli le coffre. Très bien. Est-ce que je peux récupérer la pierre? Pierre x 52. Et bah mon gars, j'en ai beaucoup de la pierre. Ok, je vais déployer la pierre ici. On a énormément dans le coffre. Alors maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut améliorer le camp? Parce que je crois qu'on peut améliorer le camp. Voilà, améliorer le camp. Et qu'est-ce que ça coûte? On a fait des trucs. Ah c'est immédiat! Camp niveau 2! Ok, donc on peut mettre plus de pales sur le camp. Établi de fortune et lit de fortune, il faut qu'on construise. On a un camp niveau 2. Je crois que ça va pas augmenter la dimension du camp, mais c'est grave bien parce que bah au moins on a deux pales. Par contre, il est passé où mon pal? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du bois! C'est un génie. C'est un génie. Tâche en cours, collecte. Il travaille d'arrache-pied, ça a l'air plutôt efficace. Ah bah ouais. Non mais attendez, il vient vraiment de me rajouter du bois dans mon coffre? Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il fout. Alors, c'est quoi la prochaine tâche pour améliorer? Déjà, on peut en mettre deux sur le camp. Vous savez quoi? On va mettre le shiny sur le camp.
Voilà. On va faire bosser le... Regardez, il est énorme. Il est obèse. C'est celui que j'ai récupéré en live. Il est obèse, le truc. Il va l'aider à taffer. Je sais pas s'il va l'aider à taffer plus vite. Il faut que je me fasse aussi un lit de... Il faut aussi que je me fasse un lit de fortune, moi. Avant de faire le lit de fortune, on va construire une petite base. Donc, c'est parti. Il va nous manquer du bois. Ça serait pas mal que je sorte mon Ektirdir pour qu'il aille me collecter du bois. Parce que lui, je sais que c'est un bûcheur de ouf. C'est vraiment incroyable, l'exploitation, les amis. J'en peux plus. J'en peux plus. L'exploitation animale est fantastique. Bon, pas IRL, par contre. Boss, esclave. C'est bien. Plus de bois, plus vite. Tu vas pas assez vite. Va plus vite. Je fais bosser tout le monde, c'est une dinguerie. Eh, mais c'est n'importe quoi, là. Ils ont... Ah ouais. Oh, oh, oh. Toute la pierre qu'ils sont en train de me rapporter, c'est bien, ça va me servir. Il va falloir que je leur fasse un lit aussi. Là, aujourd'hui, ça y est, on commence à être chaud. 63. Je sais pas c'est quoi la taille d'un stack max. Là, on est à 92. Il a pété l'arbre. Combien ça me donne de bois d'un coup? Grâce à lui, on va faire la maison. 2. Hein. Frérot, tu devrais aller un peu plus vite, là. On va se faire une petite cabane. Un truc tout simple de 4, juste histoire de mettre un lit. Ça nous servira pour plus tard. Ah, voilà, quand même. Je le voyais plus rapide que ça. Hein. Bon, il va continuer à crafter. Kativa s'est endormi. Il y en a un, il carrément il pionce. Mais ils ont pas de lit, il faut que je leur fasse un lit. Et moi c'est le bordel chez moi. Ok, c'est bon, on a... Mais dégage de chez moi toi, c'est pas possible. On a fait ça, maintenant il faut que je fasse des murs. Mais on n'a pas assez de matériaux. Il va vraiment falloir que j'aille bûcher. J'ai trop de choses à construire, trop de choses à faire les amis aujourd'hui. On va poser une petite porte ici. C'est déjà pas mal. On va faire un mur avec une fenêtre ici. On va en mettre un autre ici. Si, là, c'est bon. Ok, très bien. Et maintenant, on va mettre des murs normaux. Pour l'instant, je vous dis, hein, je fais juste une petite maison. Oh, j'ai pas assez. C'est pas possible, toi. Hé, hey, toi, là. Hé, hey, hé, hey, boss. Au boulot, mon gars. Lui, il est en train de pioncer sur le sol comme une merde. Les amis, je viens de voir. Je peux faire un harnais pour le Dire Hall. Il manque juste du cuir. Avant la fin de cet épisode, on va le tester. Par contre, comment est-ce qu'on fait un lit pour pâle? C'est pas un lit classique. Ah, c'est là. Il nous faut juste du bois de charpente. Les amis, je crois que je vais le faire en priorité. Je vais le faire en priorité, le lit de pourpal. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la pierre. Attendez, je vais regarder dans le coffre. Il est trop intelligent s'il le fait. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que la pierre va augmenter? Il en a ramené une. Très bien. C'est pourquoi pas. Transport en cours. Il réfléchit à sa vie. Tu réfléchis, mon pote? Ah ouais, il réfléchit. Bon, on va placer un petit lit à pâle juste ici. Voilà. Et on va le construire. Comme ça, ils auront un lit pour dormir et ils auront plus le seum. On a juste un lit, il nous en faut deux. Voilà, on met les deux lits juste à côté. Et je construis, comme ça tout le monde va pouvoir dormir. Lui, il tire la gueule, là, regardez le frérot, là, il est en pause. Il réfléchit à sa vie. Le Kativa est en pause aussi, bah, parce que je vois plus personne fait rien. Et voilà, c'est bon, on a deux lits. On a de quoi les faire pioncer tranquille. Maintenant, je vais terminer ma baraque, moi. Regardez, j'avais pas remarqué, quand je saute, il saute aussi. Je suis mort. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est bon, on a notre petite maison. Bon, c'est loin d'être fantastique. C'est juste une petite maison simple. Je vais mettre un lit et on est bon pour ça. Après, je vais faire un atelier et tout ça. Mais c'est pas mal, là, on commence à être bien. Et celui-là, cet arbre, il rapporte beaucoup, là. Ça va super vite d'un coup. Alors que sur les précédents, ça allait pas vite. Regardez. C'est bizarre un peu, la logique. Là, cet arbre-là, il est magique, on dirait. Wouah, tout le bois de charpente qu'il est en train de me rapporter. Magnifique. Ouais, super, là, on va être bien, là. Non, regardez, c'est bizarre. Il y en a, on dirait qu'il rapporte beaucoup de bois et d'autres, pas du tout. Là, celui-là, par exemple, il n'en rapporte pas. Bizarre, cette histoire. Et voilà, le lit de fortune, c'est bon. On va construire. Regardez, il y a mes pales qui veulent construire. Est-ce que vous pensez qu'ils seront capables de me rejoindre? Oh, il est passé. Attention, il y va. Tout le monde arrive pour construire le lit, je suis mort. C'est bon, les gars. Bravo! Vous êtes trop forts. Incroyable. On sort tous de la maison tranquille. C'est magnifique. Les amis, on a notre première petite maison, donc du coup, sur notre vrai camp. Elle est considérée comme telle. Et on a deux pales sur le camp et on a deux lits. Maintenant, voyons voir. Est-ce qu'il nous faut autre chose? C'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer le camp, encore une fois? Établi de fortune. C'est vrai, j'ai tous les établis à faire. Donc je vais les refaire, vous inquiétez pas. Établi de fortune, est-ce que je peux le placer à l'intérieur d'une maison ou pas? Oui. Bah dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais en placer un là. Ah merde. C'est maintenir annulé, il est pas dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens, les amis. Je vais le mettre là plutôt, face à la fenêtre alors. Voilà, là comme ça, il est face à la fenêtre, il est dans le bon sens. Ah, c'est comme ça, je pouvais le tourner. Je suis trop bête. Voilà, on va le coller à la fenêtre. C'est bon. Allez, tout le monde construit. Ils y vont, ils sont en train de construire. Regardez, regardez.
Trop bien, ils ont été ultra rapides, ultra fast. Et du coup, maintenant, je suppose que nous avons de quoi améliorer le camp. C'est bon. Nice. Les amis, on a 3 pales maintenant sur le camp disponible. Donc, on va trop vite. On va trop vite. On va mettre un autre... J'hésite à mettre un autre Katou sur le chat. Est-ce que je peux mettre un Crémis? Est-ce que ça sert à quelque chose, un Crémis? Je vois la barrière à côté. Je sais pas à quoi correspond le signe barrière. Donc, tu sais quoi, on va mettre le Crémis sur le camp. Voilà. Il nous faut un lit en plus. Hey, ils sont à 100 domaines. Ok, donc, je vais reconstruire un autre lit de pales. Ici, on aura tous les lits de nos pales. Faudra que j'améliore la maison plus tard. Est-ce que j'ai de quoi construire le lit de pales? Normalement, oui. Très bien. Voilà, on commence à les accumuler. Les lits de pales, ça me fume. Voilà. C'est bon. Je vais commencer à construire, mais je pense qu'ils vont se jeter dessus. Regardez. Cling, 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 cling. Aïe! Aïe! Ils me tabassent le dos, on dirait le truc. Voilà, super. On va super vite pour construire. Voilà. 3 lits. 3 pales, heureux. Il travaille d'arrache-pied, ça a l'air plutôt efficace. Il a toujours l'air en forme. D'accord. Il y en a un qui est juste en forme. C'est bien parce que là, on commence à avoir des pales sur le camp. Comme ça, si jamais il y a une embrouille qui arrive, on a plusieurs qui seront disponibles et prêts à se la donner. Donc, c'est pas trop mal. Alors, voyons voir. Améliorer le camp. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une boîte à nourriture. Et on pourra gagner encore plus de pales. Vous savez quoi? On va faire. Comment on fait la boîte à nourriture? Je pense qu'il faut que je l'apprenne. Y introduire la nourriture permettra aux pales du camp de l'utiliser pour se nourrir. Ok, c'est parti. J'apprends ça. Ça sert à quoi? Une cloche pour changer l'état d'alerte des pales au sein du camp. Il est possible de passer de l'option attaque des intrus à concentration sur le travail à tout moment. Ok, vous savez quoi? Je vais apprendre ça aussi. Le piège suspendu. Les pales qui passent dessus peuvent être capturées, ne fonctionnent que sur les petits pales et les humains. Parti, on va mettre des pièges sur le camp et tout, mon gars. On va commencer par la boîte à nourriture. Il faut plus de bois. On va bûcher. Hey, c'est pas énorme en vrai la boîte à nourriture. On va la mettre devant notre fenêtre. On va la placer juste ici. On va en placer une première parce que je sens qu'on aura plusieurs à placer. Voilà. Je les aide à construire. Ils vont construire avec moi. Ok, tout le monde construit. Est-ce qu'il va falloir que je la remplisse? Est-ce que c'est comme une mangeoire, genre ouvrir? Ouais. Bah, c'est parti. Hein. Voilà, comme ça, si jamais ils ont la dalle, ils pourront la manger. Graines de baie, je sais pas si les graines de baie c'est utile ou pas. Faudrait aussi qu'on fasse... Il y a tellement de choses à faire les amis. Notre camp en tout cas il commence à être bien. On a des lits, on a une mangeoire, on a le cerf là-bas qui bosse. Je vais récupérer le bois. Je vais refaire les trucs de base qu'on avait déjà, donc pour réparer les items et pour en crafter. Oh je peux améliorer le camp d'ailleurs, j'ai fait le lit et tout. Ok c'est parti, on peut avoir 5 pales sur le camp. Eh vous savez quoi, moi je vais les déployer hein. Je vais les déployer, après le seul truc qu'il nous faudra c'est de la bouffe. Mais je déploie parce qu'en fait ça va nous permettre tout ça à la fin. J'aime bien mettre des pales différents. Ça va nous permettre de défendre le camp s'il y a un problème, je pense. Faudra qu'on change. Faut que je fasse une cloche d'état d'alerte. Est-ce qu'ils ont commencé à... Ah ouais, ils ont commencé à en manger des baies. Je transfère les baies. Il va falloir que je fasse de l'agriculture, moi. Ça donne quoi, le camp, là? Construire un feu de camp et des plantations de baies. Ok, ok. Il nous manque un lit aussi. On va crafter un autre lit. Je sais pas jusqu'à combien de pales on peut avoir sur le camp à la fin. Mais ça commence à faire beaucoup. Là, on en a 4 déjà qui sont en train de faire leur petite vie. Ah frérot, qu'est-ce que tu fous? Continue de bosser, t'étais cru où? Continue de bosser, hein. Je te regarde, hein. C'est juste, je m'écarte un peu pour couper un arbre moi aussi, hein. C'est tout. On bosse ici. Et voilà, un lit en plus. Ils vont le crafter. Comme ça, ça nous permet d'avoir tous les pales qui sont contents et qui sont en pleine forme. Ah, le petit, tout le monde craft. Non, mais c'est une dinguerie. Regardez la vitesse à laquelle ça va aller. Ils sont tous dessus, là. On a des travail. Camp de travail forcé ici. Bon, ils ont pas l'air trop forcés. Ils ont l'air plutôt heureux quand ils ont fini leur tâche, lol. Hop, j'installe un petit feu de camp. Tout le monde va bosser dessus. J'ai même pas besoin de leur demander, les amis. C'est trop pratique. Tout le monde bosse. Et le feu de camp, c'est fait. Voilà, comme ça, on est bien. On améliore le camp petit à petit. Il leur faut quoi maintenant? Une plantation de baies. On va voir ça. J'ai jamais fait de plantation de baies. Avec ça, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire notre propre bouffe. Et on va vraiment en avoir besoin parce qu'il va falloir nourrir tous les clodos là. Ok, débloquer la technologie plantation de baies. C'est quoi ça, une ferme? Une ferme pour pales de type mouton et poulet. Ils déposaient des pales avec des capacités, leur fera produire des objets automatiquement. C'est-à-dire qu'on va avoir des œufs. Qu'est-ce que tu fais, toi? Au travail, boss! Boss! Feignasse, va! Voilà, coupe des arbres. D'ailleurs, mon perso a gagné 3 points. Il faut que je renforce plus d'endurance, les amis, parce que pour l'instant, l'endurance, c'est vraiment un problème pour moi. Voilà, c'est bien. Comme ça, plus d'endurance, ça va descendre de moins en moins vite et ça va être de plus en plus cool. Oh, il nous a mis trop bien le cerf, 18 de bois d'un coup. On reprend le travail, hein, c'est pas fini. Au boulot, mon gars, au boulot. Quoi? Déjà? Oh, regardez, c'est trop mimi, notre petit Lamboli transporte. Par contre, il va falloir que je fasse d'autres coffres. On va faire du stockage, on va faire plein de choses, là, on est bien, là. Plantation de baies. Je sais pas du tout comment ça se passe,
Donc, déjà, je vais un peu l'écarter. Tiens, je vais la mettre là, sur le bord. Voilà, voyons voir. On va la mettre ici. Ah, ils sont en train de construire. Ils y vont, regardez. Trop bien. Tiens, re-rentre-toi. Cling, 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 cling. Tout le monde y va. Regardez, c'est mon Crémis là-bas. Il se promène, il fait le tour du camp. Il vérifie que tout le monde travaille bien à sa place. Ah, il y en a un qui a faim. Regardez, il va se nourrir. Ok, il s'est nourri. Il a mangé baie rouge. Ouais, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'accumuler ça. Hein. Parce que sinon, ça va être la merde. Si on n'a pas de bouffe, ils vont avoir la dalle et tout, ça va pas être cool. J'ai fini de semer. C'est bon, on arrose. What the fuck? Je savais que l'animation était chelou, je l'avais vu chez quelqu'un d'autre. J'arrose tout à côté, mais pas ça. Attendez, je me remets dans le bon sens. Voilà, arrose. Alors, le gaspillage d'eau... Attends, je recule un peu. On va essayer d'arroser parfait. D'arroser pixel. Ok. Ok, ouais, non, il met quasiment la moitié à côté. Par contre, c'est vraiment une couille molle. Hein. Regardez dans le fond, j'ai mes esclaves qui travaillent. C'est trop bien. Enfin, mes pales. Ça me déglingue comment ils font des allers-retours pour ramener les pierres au niveau du coffre. Il faut que je leur ajoute des coffres, sinon ils auront plus de stockage après. D'ailleurs, vous savez que j'ai toujours pas fini le tutoriel. Il va falloir vraiment que je m'améliore, hein, parce que là... Ok, c'est bon. Alors, phase croissance. D'accord, donc ça monte. Vous voyez que ça monte et on va pouvoir récolter après. Vous savez quoi, j'allais faire dodo. D'ailleurs, on va voir si ça a une incidence. Est-ce qu'ils ont bouffé tout? Non, il en reste encore 7, ça va, c'est pas des veaux non plus. Ok, dormir. Voilà, est-ce que du coup pendant la nuit la croissance augmente? Je suis impatient de voir ça. Il y a un gros poulet dehors qui nous réveille. Voyons voir. Oui, ils continuent de ramasser les pauvres. J'ai pas l'impression que ça skip le temps. Non, la croissance reste la même. Alors j'ai les pierres qui répop, donc ça leur fait faire des activités. C'est ça qui est bien, comme ça. Voilà, ça me fume. J'ai vraiment c'est vraiment des esclaves les pauvres. Genre ils courent pour venir construire le truc que j'ai mis. Et ils construisent à travers le mur, mais ils s'en foutent, ils construisent. Ouais, ça construit, ça construit. Je fais rien. Je leur demande de faire et ils font. Voilà. Du coup, je vais réparer ma hache. Et ça me met trop bien. J'avais peut-être ça aussi à réparer. Voilà, comme ça je répare tous mes équipements. On est bien. Ah, je crois que c'est bon. C'est quasiment bon. Oh non, attendez. Qu'est-ce que ça donne si je récolte pas et que j'attends? Ok, ça se... Oh, 10 d'un coup. Trop bien. Par contre, c'est extrêmement chiant, il faut semer. Attendez, je vais regarder dans mes pales. Il y en a pas qui sont capables de faire de l'agriculture pour moi là, parce que je crois qu'il y en avait un qui avait une plante verte. Ça doit être ça. Non, lui il a la plante verte, mais il sert à rien. Qui serait capable de faire l'agriculture? Ah, je pense que c'est la petite baie. La petite baie qui a marqué sur le côté. D'accord, donc pour l'instant on n'a pas de pales qui soit capable de faire de l'agriculture, malheureusement. On a de la main d'œuvre et tout. Lui il sert à rien. Tu sais quoi, je vais le retirer du campement. Lui il a un petit truc qui gèle, donc je sais pas à quoi ça sert. Tu sais quoi, je vais ajouter un autre mouton. Hein. Je pense que ça va nous faire plus de main d'œuvre. Hein. Voilà. Mouton en folie. Très bien. Vous savez quoi, je vais mettre, en attendant, je vais mettre les baies ici. Il faudrait que je trouve un pal qui nous sert à faire de la main verte. Je vous parie que le Capriti, il sert à faire la main verte. On va aller tout de suite voir ça. Et je vais voir pour le tame pendant que tout le monde se met bien. Je vais peut-être juste faire un coffre en plus pour être sûr qu'il puisse stocker. Mais c'est trop bien les amis. On est vraiment trop bien. Oh, 136, mais c'est quoi la limite 999, c'est excellent. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à stocker. Ok, j'ai rien dit, pas besoin de faire d'autres coffres. Ok, moi je vais péter la gueule au Capriti en espérant qu'il puisse nous permettre de faire des baies. Et après, on fera une selle pour mon loup. Et ça sera la fin de cet épisode où nous avons fait un camp de travail forcé incroyable. Bonjour petit Capriti. Alors, il est magnifique. Elle est super belle. Vas-y, bouffe-lui sa mère maintenant. Ok, c'est bon. Le fight commence. Ouh. Ouh, les dégâts par contre, les dégâts que le Capriti prend. Ok, rappel, il va le tuer. Qu'est-ce que je pourrais envoyer? Je vais envoyer... Aïe, bah voyons, mon Kativa. Faut que je me prépare. C'est le Kativa risque de le tuer. Ok, l'attaque était tranquille. Attention. Non! Non, il l'a tué, merde! Est-ce qu'il me donne du cuir? Des cornes et des baies rouges. Je vais jeter son cadavre, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Ok, il nous en faut un autre. Je vais essayer de trouver un autre Capriti. Ah, je suis deg, j'ai mal géré. Le thé à fond, je l'ai jamais tame. Faut que je vois à quoi il sert. J'ai encore des flèches ou pas? J'en ai 5. Une. Ok. Vous savez quoi, je vais me le faire tout seul. Ok, une dernière. Ok, ça devrait être bon maintenant. Allez, bébou. Oh, j'ai esquivé. 88 95 99 100. C'est bon. Une grande quantité d'eau s'écoule de ce qui semble être sa trompe, mais ne s'agirait là que de mucus nasal. Des discussions animées occupent ainsi les chercheurs. Estomac sans fond, par contre, il a toujours la dalle, celui-là, donc ça c'est chiant. On a gagné un petit bonus d'XP. Je vais voir sur le camp s'il sert à quelque chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il sert à quelque chose. Tu sais quoi, je vais le mettre à la place de lui.
Il y a une tasse d'eau. Donc en fait, je pense, les amis, je peux le porter. Je peux ouvrir le menu aussi. À quoi ça sert tout ça? Je sais pas du tout à quoi ça sert. Si je le porte, ça donne quoi? Je peux le lancer. What the f***? C'est quoi la force de mon personnage? Vas-y, tiens, dans ta gueule. Aucune tâche en attente à proximité, passage en mode automatique. D'accord. Je pense que... Attendez, vous savez quoi? Je vais semer les graines. Et après, on va voir si lui, il les arrose automatiquement. Mais il y a moyen qu'il fasse ça, je pense. Et voilà, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je suis trop clairvoyant. Il va les arroser pour nous. Donc on va voir à quelle vitesse ça va quand il arrose et comment il arrose. Attention. C'est mignon. Ça va pas vite, mais il fait tout pour nous. Et franchement, c'est génial en fait. Pas besoin de se prendre la tête. Il est en train de tout faire pour nous. Comme ça, là, on a un camp qui est quasiment automatisé. Il nous manque juste un truc pour déposer les baies. Et ça sera automatisé. Ils auront de quoi manger et tout. Il faudra juste que je récupère de temps en temps les baies et que j'aille les mettre à l'intérieur du truc là. Parce que pour l'instant... Oh, 17, ça va, ils ont pas l'air d'avoir trop faim. Il y a juste lui apparemment qui a un estomac sans fond, donc il mange souvent. J'avais dit qu'on allait faire le harnais pour le loup, mais je sais pas si on va le faire tout de suite parce que je vais pas vous mentir, j'aurais grave envie de tame le dinosaure. Vous savez quoi? Ah, j'hésite. Je propose de tame le dinosaure dans l'épisode suivant et on va voir si on peut faire le harnais pour le loup. Comme ça, on se modère. C'est trop cute, le petit éléphant derrière qui arrose les plantations. Je peux améliorer le camp. Ok, bah améliorer le camp, c'est parti. Ensuite, il faudra construire un établi pour équipement de pales et une statue de puissance. Je sais pas à quoi ça correspond, mais là déjà, on pourrait rajouter plus de pales. Pour l'instant, je pense qu'on va pas en rajouter tout de suite. On va se contenter de faire déjà la selle du loup. Alors, pour faire la selle du loup, il me semble que j'ai besoin de façon de mettre un établi à équipement de pales. Il va me manquer quoi? Du bois et du tissu. Ok, le tissu, il me semble que je peux le crafter. Voilà, lancer la production. Il y en a un qui va bosser dessus. Bah voilà, j'ai l'autre qui arrive. Il va m'aider à bosser pour faire le tissu plus vite. Voilà, ça va super... Oh là là, ça va trop vite. Voilà, super. Obtenir. C'est bon, on a fait le tissu, il est content. Et maintenant, ce qu'il me faut... Mais ils sont passés où, mes autres pales, d'ailleurs? Ah, il y en a un qui est ici. Et je crois qu'il y a l'handball qui est en train de se promener. Ouais, il n'y a plus de tâches à faire, il n'y a plus rien à casser. Maintenant, il me faut du cuir. Donc, pour ça, les amis, on va aller buter des poulets. Je crois que ça file du cuir. C'est parti, mon gars. Est-ce que... Non, je vais pas la gâcher sur lui, quand même. On va juste changer. Voilà. Tiens. Allez, allez Daydream, Daydream, c'est parti, la boulette, attention, ouh, le one shot, ça drop de la viande et un œuf, c'est pas ça, vous savez quoi, on va trouver un truc qui nous drop ce qu'il faut, hein. Ribbony, j'ai jamais tame, reviens là toi, aïe, ok, une dernière, c'est bon, Pokéball, 79,80, Il est très beau le Ribbony, mais je sais pas à quoi il sert, mais on le tame. Hein. Faut que je tame tout. Avant la fin, j'aurai tout tame, les amis. Et voilà, c'est tame. Un pal qui a constamment le sourire, mais Kativa a la fâcheuse manie d'emmêler ses tentacules. Kativa? Ah, ok, d'accord. Dans ces moments-là, son expression est autrement plus démoniaque. Bizarre, hein. Pyromane. D'accord, il fout le feu. Très bien. Je savais pas que ça pouvait foutre le feu, ce truc, mais ok. Maintenant qu'on en a chopé un, on peut buter les autres. Hein. Je veux dire, c'est bon. Hein. C'est parti. Daydream, au boulot. Ok, je l'ai visé, comme ça on prend l'aggro. J'ai visé les deux. Attention la boulette! Oh, le combo, il l'a détruit. Est-ce que ça donne du cuir? Voilà, c'est bon, on a du cuir. Oh, regardez! Il y a mon chat qui s'énerve. Et c'est trop bien les shiny. Ouf, ils l'ont désossé. D'accord, donc ça me montre... C'est trop bien. Ça me montre que si jamais il y a des ennemis, ils vont défendre. Hein. Parce que tout le monde s'est excité d'un coup, c'était trop bien. Ça fait trop plaisir. Oh, il récupère les trucs. Mais c'est génial. Il a quoi comme spécificité le Daydream pour récupérer les trucs? Il a travaux manuels, collecte. Ah d'accord, c'est collecte le truc en vert. Ok super, bah alors il faut que je mette un collecteur sur le camp. Je vais voir ça. C'est bon, il y a déjà un collecteur, il y a déjà le chat qui peut collecter. Mais alors une fois qu'il a collecté, ça donne quoi? Est-ce que ça me les donne directement? J'ai envie de voir ce que ça donne. C'est bon, il a récolté. Transport. Ok, alors voyons voir. Transporte les baies. Et s'il les amène à la mangeoire... Les autres aussi! Mais c'est trop bien! Il les amène à la mangeoire! Regardez! Ils arrivent à leur redonner! Alors, il y en a un, oh, c'est trop marrant comment ils portent. Il y en a un, il porte dans ses petites mains. Il y en a un, c'est sur son front. Il y en a un, il les traîne. Ah! Oh, ah non, il les a déposés, il les a repris. C'est trop bien, les amis. Il nous manque juste quelqu'un pour cultiver.
dans l'épisode suivant, il faudra qu'on trouve quelqu'un qui nous permet de semer les graines. Mais en tout cas, je suis refait, c'est absolument génial. Alors maintenant, il nous manque juste du bois, comme ça je vais crafter le truc pour faire de l'équipement de pales et on va pouvoir monter sur le loup avant la fin. Il bosse pour moi et je fous rien, c'est magnifique. Comme ça on accumule, il nous en faut 30. Ah ouais, depuis que j'ai réparé, ça récupère beaucoup plus vite. D'accord. Bon bah c'est bon, on a déjà les 30. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de ma maison sur mon lit? Il est en train de chiller. Hop! Voilà, alors tout le monde va se jeter dessus pour le construire. Comme ça, là-dedans, nous allons faire le harnais. Et ça va nous permettre, finalement, de monter sur notre premier pal. Ils sont trop mignons. Regardez le petit mouton quand comment il ferme les yeux pour taper. Tout le monde est dessus. Oh, la vitesse. On bosse à 4 dessus, ça me fume. Et voilà! Magnifique! Choix de la recette. Donc, le harnais, on l'avait déjà. Maintenant... J'ai frappé sur quoi? Je sais pas. Je me suis gouré. Maintenant, on va apprendre... C'est ceci, le harnais. Bordel, il nous manque encore du bois. Il manque toujours un truc, hein. C'est pas possible. Heureusement qu'on est nombreux à bosser. Hein. Heureusement qu'on est nombreux à bosser. Et t'as l'autre qui est en train de crever sur le sol comme une merde. C'est parti, il nous faut 10 cuirs, 50, enfin 20 bois, pardon, 15 textiles et des éclats de palladium. Lancez la production. C'est bon, ça part. Je commence à crafter, c'est long, mais vu qu'on est plusieurs dessus, ça va aller vite normalement. Je vais faire un multitâche, regardez, je balance... Mon cat il va dessus, comme ça, il va bosser dessus aussi. Ah il est parti, pourquoi il bosse plus? Il en a marre, il prend une pause je crois. On travaille à deux déjà. Allez venez bosser avec nous bordel. Voilà, revenez, venez bosser. Et c'est bon, j'obtiens. Et du coup nous avons la selle de Dire Owl. Alors je vais changer mon équipe. Parce que là pour l'instant dans mon équipe personnelle, j'ai pas envie de retirer Kativa. D'ailleurs je vais la renommer, je vais renommer ce chat. Vous savez, c'est très bête, mais je vais le renommer Katidi. C'est ridicule, je sais, mais... Voilà. Où est-ce qu'on peut la renommer? Là, où? Là, modifié. K. Et avec un K. Katidi. Voilà, c'est fait. Comme ça, on l'oubliera jamais. C'est notre premier team avec le poulet, je crois. Je sais pas si c'est le tout premier team, mais c'est bon. Et je vais, je pense... On va pas être con, hein. Je vais l'échanger avec le Dire Owl, je pense, qui sera beaucoup mieux à utiliser. Malheureusement, on peut pas en avoir 50. On va laisser Katidi... C'est quoi? On va mettre Katiti sur le camp, j'hésite, à la place du Shiny. Non, le Shiny, c'est bien qu'il reste sur le camp. Parce que le Shiny, il est fort. Avec son attaque de ouf, là. Faudrait qu'on le fasse level up, d'ailleurs. On a mis le Dire Owl. Maintenant, on va tester ça tout de suite. Voilà. Attends, viens là. Montez. Qu'est-ce que ça donne? Oh, let's go! Alors là, je cours pas. Si, je cours. Ok, je suis déjà en train de courir. Ah non, là, je cours. Ok, d'accord. Donc, ça va plus vite à skip? Il fait des petits sauts. Ah oui, non mais de manière générale, il s'épuise pas en fait. Oh, c'est trop bien les amis. Et là, je sprint apparemment. Ah ouais. Qu'est-ce que ça donne quand je dépasse la barre ou quand je m'épuise? Oh, je les récupère, c'est incroyable. Je peux mettre des crocs, je sais pas. Ok, je regarde, hein. J'essaie de l'épuiser jusqu'au bout pour voir. Quoi? Mais il s'épuise jamais. Je comprends pas. Il était en rouge. Genre quand il est en rouge, juste, il court un peu moins vite, j'ai l'impression. On va retenter. Ou il perd de la vie? Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, juste il court moins vite. Oh non, mais c'est trop bien. Les amis, on a une monture de déplacement qui nous change la vie maintenant. Est-ce que je peux faire un double saut? Non, je vais faire un saut simple. Ça donne quoi? Est-ce que je peux grimper? Alors pour grimper, c'est pas ça. Par contre, faudra qu'on descende pour grimper. Mais c'est pas mal. Tire-boue. Ok. Ça recharge. D'accord, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Croc sauvage, ça donne quoi, croc sauvage? Ok, c'est un... On fonce en avant. Le C, on l'a pas encore. Mais en tout cas... Oh là là. Venez, on tente de défoncer ce Kativa, par exemple. Ça, et ça a pas touché, je crois. Je tire dessus, là, tiens. Ah, ok, c'est bon, on a touché cette fois-ci. On est en fight. Oh, j'ai tout shot, c'est pas mal. Ah, c'est fort, en vrai. Attends, tes mains. La boulette. Croc sauvage. Oh, il s'est envolé, je sais pas combien je lui ai mis de dégâts, mais il s'est envolé. Faut que je retente le coup pour voir. Regardez, il essaie de fuir, mais je suis plus rapide même quand je cours pas. Attention, croc sauvage. J'ai pas touché, je suis trop nul. Croc sauvage. Mais je comprends pas. Faut peut-être que je vise. Ok, attends, on recommence. Combien? 272. 296. Et ouh, je crois que je lui ai mis un critique, il s'est envolé au Bangladesh. C'est fort, c'est pas mal. Tu peux même cumuler les attaques, faire ça, ça. Combien je lui ai mis? Les one shot. J'ai one shot ce petit truc.
C'est trop, c'est bien, hein. 495. Ah ouais, des fois, ça fait bien mal, hein. Tiens, la boulette, maintenant. 371. Le combo est incroyable. Les amis, là-dessus, nous allons nous arrêter. C'est génial. Nous avons notre première monture. Voilà, il est tout beau. Il est tout cute. Il est incroyable. Regardez comme il est nice. Je vais mettre à la lumière pour vous le montrer. Oh, je suis trop refait, les amis. C'est génial. On est monté sur notre première monture pâle. Et avec ça, nous allons pouvoir nous péter. Et en plus, nous avons construit notre magnifique base. Notre camp de travail forcé, plutôt. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et nous avons pu déployer nos premiers pales. La prochaine fois, on ira certainement tame une créature plus grosse qui nous permettra de faire des baies. Et j'en ai vu une autour du camp, celle qui est grande, là, niveau 12 ou 13, qui est vraiment pas mal. Et on se tapera avec le Dire Wolf. Et en plus, on pourra... Enfin, c'est pas le Dire Wolf, c'est Dire Wolf, je sais plus comment il l'appelle. Et on pourra se déplacer beaucoup plus vite grâce à lui, puisqu'il est beaucoup plus rapide. Bon, là, je porte trop d'objets, apparemment, donc... son gros cul, il n'arrive pas à le bouger. Mais en tout cas, je vous remercie énormément. Si vous êtes encore là, vous êtes un abonné de qualité. Je vous invite à liker et à commenter pour soutenir le Let's Play. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient surtout la survie de ce Let's Play, hein, en dépend énormément, puisque d'habitude, on est sur Ark plutôt que sur ce genre de jeu. Je vous fais des gros bisous. C'était Jesper en direct de Palworld, et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye tout le monde.